Bon, déjà, comme un derby, c'est un match spécial. On l'a senti déjà le match aller. Après, nous, il faut qu'on aborde tous les matchs de la même façon. Ce sont tous des finales pour nous. On est vraiment mal placé dans les classements, donc on a besoin des points. Et je trouve que l'équipe est bien en ce moment. Sur les quatre derniers matchs, on a eu une belle progression par rapport à la défense, surtout. Et un peu à la confiance et à la discipline. Donc c'est un petit point où on a encore fait beaucoup attention. C'est la discipline, il faut être discipliné si on a envie de ne pas se faire pénaliser, surtout. Et pour ne pas permettre à l'autre équipe d'avancer et de faire marquer des points sans effort. Donc là je pense qu'on a bien travaillé. On a passé une semaine, la semaine dernière, et on a vraiment bien travaillé. On a bien préparé le match. Cette semaine aussi, donc c'est une bonne dynamique pour attaquer un bon derby. Je sais pas, on verra vendredi soir. Ça aussi, c'est le premier match qu'on va jouer le soir. On n'est pas à l'habitude. Donc les joueurs, ils sont pas à l'habitude de passer toute la journée. Donc cette semaine, on va essayer justement de s'entraîner dans l'horaire du match. De s'entraîner par rapport au climat, par rapport à la lumière, donc par rapport à passer toute la journée de préparation. Donc bon, c'est une expérience, mais je trouve que les joueurs, ils sont assez concentrés, ils sont assez investis pour sortir un bon match, et surtout parce qu'ils ont envie de sortir le club, de se maintenir. Donc c'est notre premier objectif, c'est ça, d'accumuler les meilleures quantités de points pour se maintenir en national. Oui, surtout l'arrêt aussi. On a vu que c'est des joueurs qui sont à l'expérience, qui ne sont jamais pressés, qui arrivent toujours à trouver les bons choix. Donc bon, on l'a beaucoup étudié. Aujourd'hui, on a encore à nouveau des vidéos sur ça. Aujourd'hui, on a une belle séance de défense. Il va falloir vraiment monter et ne pas lui donner des espaces pour prendre des décisions assez confortablement. C'est principalement ça. Il y a un bon 9, un bon 10, surtout le 10, c'est le chef d'orchestre. Qui joue un peu à la carter, qu'on dirait qu'il va à deux à l'heure, mais il trouve toujours des bonnes décisions, il fait jouer bien, il lit bien, il prend des bons choix. Donc on a travaillé sur ça, et principalement ça, on va essayer de vraiment lui quitter de l'espace et être très effectif dans le premier plaquage. Non, au contraire. Moi, personnellement, nous, on a besoin des victoires. Cette équipe, il a besoin de victoires. Ça fait 8 matchs qu'on perd pas rien. On est toujours prêt, mais on n'arrive pas à avoir la victoire au fin. Donc on a besoin de victoires, on a besoin de derby. C'est très important pour nous, c'est important pour le club, c'est important pour les gens. Donc nous, on se met à la petite pression d'apporter des points. Nous, on a besoin des points, même si c'est un boulet, même si c'est le derby, on a besoin des points. Tous les matchs sont des finales. D'ici jusqu'à la fin, il faut les attaquer comme ça, dans cet esprit-là.